Oui, du coup, je vous fais une intro pour cet item. Je sais pas trop ce que je vais faire à la fois sur l'item, à la fois sur la vidéo. En fait, j'ai besoin de ça en Exopéa, j'ai besoin de ça en trans dommage distance pour PVM. Je sais pas si la vidéo, ça va être du tryhard Exopéa ou Near Perf. On verra, je pense que je vais essayer de mettre des PA sur Near Perf et je garderai pour trans si j'arrive à le full perf avec éventuellement les retraits PM négligés pour PVM. Voilà. En vrai. Ah, c'est sur une part retrait PM que je l'ai perdu. C'est la merde, ça. Reste 9. Je peux tenter 3 pavis. Première tentative PA. Oh. 45 depuis. Ok, on va over ici, moins 10. Pavi, 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 pavi. Moins 6. Ravi. En vrai, 19. Mais c'est quoi ça? 5 depuis restant. Dommage. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ta force là? En vrai, on va déjà commencer par faire ça. Voilà, un petit crit, ça. Voilà. Non mais évidemment. On va faire le max sage, on va y aller comme ça. Moins 5, moins 18. Il reste 25. C'est pas mal 25 restants là-dessus, non? On va tenter ça. Oh merde. Il reste 5. J'aurais pu tenter de la rattraper, mais tenter de faire des vrais jets sur la force, c'est quand même mieux. Voilà, on s'est un peu fait bolos. Pas de PO. 40 depuis. Bon. Oui. On va y aller à la rune Ini, je pense. On va pod. Bah oui, forcément. Quoi d'autre en fait? Tac, oui. Ça, alors que ça me mette des pop-up intempestives, si ça passe, c'est ok. Moins 9. Tac, tac. Que. Alors. Il manquait un peu de puits, je crois. Pas de chance. Ça peut faire un truc là. On va forcer la pavie. Bah forcé, on l'a vraiment forcé là. Qu'est-ce qu'on fait? On rafaud ou on spam pas faux comme le disent les experts du chat YouTube? Qu'en pensez-vous? Pas faux ou rafaud? Ra, ra.
Aïe. Reste 10. Bah oui, j'ai pas compté les deux dernières, je suis un chien. Tranquille, tranquille. Rien de nouveau, rien de nouveau. De toute façon, on n'avait pas le père Vita, on s'en fout, non? En vrai, tac, tac. Ah. Allez, faut pas que la vitrole. Jusque-là, tout va bien. Voilà. Pas compliqué la vie des fois. Allez. Ouais, bah c'est marrant. Une pado qui passe pas, c'est juste la fin du game en fait. Hein. Pas encore tenter de casser le PO à la pado peut-être. Alors. Effectivement, oui. Mais non en fait. C'est pas ça qu'on veut. Allez, next. C'est pas mal là en vrai. Fais ça. Fais ça. Hop, regardez. Tac. Hop. Allez, on a une tentative à pado. Nice. 3 de puits restants, on peut tenter une sagesse. PO. Pas de PO. Let's go. J'ai toujours le 1 de vita de trop, 1 de force de trop, je me fais bolos sans boucle. Pour la vita, ça troll un peu là. Hein. On va déjà commencer par mettre les deux cris à 17. Alors, c'est pas très marrant ça. Évidemment. Bah cool. Bon, là on peut sortir du. On peut sortir du full perf. Il faut pas vie. Ravi. Oh là là. Oh, c'est gênant, c'était incongruent, c'était nickel. Bah bien sûr. Allez. Let's go. Bon. Ça fait beaucoup de rouge pour une rune, mais tranquille. Décidément, les ravis là, c'est compliqué, hein. Ça me paraît compliqué de remonter les jets suffisamment là, mais on va tester. Le nombre d'échecs qu'on se tape, c'est quand même un délire. Ok, ça met bien. Ouais. Dommage. En fait, je pense que je vais arrêter de compter tant que j'ai pas tout qui est bien sauf le retrait PM et je compterai combien tu peux tenter de retrait PM. Ça me paraît être plus simple de faire comme ça. Déjà, on va mettre ça. Ensuite, ça. Ensuite, ça. Voilà, nickel. Ça. 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 Ah, plus de puits. J'ai pas souvenir d'avoir repassé un seul PO, c'est compliqué. Allez, ça a un peu de gueule là. Faut pas que ça troll.
Nice. 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 Reste 5. Faut un crit, pas de cri, un crit de PO. Ah. Oui? Oui? Ah, par contre, le PO nous a pas régalé là. C'est un peu unlucky. C'est un peu unlucky. Tente un peu éclataxe là. Hein. Je vais tenter un truc. Est-ce qu'on peut faire ça? Into ça? Ah, dommage. Il y avait de l'idée là. J'ai voulu faire un truc, mais d'un level de chimie absolument insondable. Du jamais vu. Du jamais vu sur deux pouces. Ah. En vrai? Regardez, PO. Le PO repasse quand même pas beaucoup, hein. C'est compliqué parce que ça fait 2 soirs que je suis dessus, et là, les tentes à PA, bon, c'est pas trop ça, hein. Ah, ça c'est pas mal ça. Oui. 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 Please. Putain. Oh là là. Ça aurait pu le faire. Ça aurait pu le faire. Oui! Mais bien sûr, en fait! Mais c'est du full perf, ça! Mes amis, ça peut être maintenant que ça se passe. Ça peut être maintenant. 45. Peut-être un peu de rab. Reste 15. Il reste 9. Bon. Si là je passe le PO, ça part en rune trans. Et ça se joue en PvP. Ou en PvM. Ou les deux. Allez, un PO, c'est quoi un PO? Oh, j'ai le seum. On peut essayer de le recasser juste derrière, comme j'ai fait avant. Allez, il faut que la padoue le casse. Dommage. Oh, la tristesse, c'était si beau. Pas trop trop mal, ça. On peut faire tech. 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 Tac, tac. Oui! Mais attendez, mais on a un bon jet là! Mais what the fuck? Attendez voir. Alors là, déjà j'ai plus 5,8 depuis. What the fuck, c'est quoi cette ligne de mort là? Je sais pas. Ensuite, plus 45, moins 6, moins 10. Moins 20. Il reste 14 depuis en fait. On en est là. Voilà. Petit PO. Voilà. Est-ce que je paye ou pas? C'est pas, le jet n'est pas assez beau en fait pour être joué comme tel, vraiment en PvP. Il manque de sagesse quoi, ça régale pas.
Putain, vous me régalez dans les commentaires, mais à un point. En vrai. Je sais pas. Il y a plusieurs éléments à prendre en compte. En fait, j'ai besoin d'un PA là-dessus pour PVP sur sa crieur et d'une rune trans sur un bouclier. Trans Vita, mais je pourrais faire l'inverse. Je pourrais PA le bouclier et trans là-dessus. Sauf que du coup, là-dessus, je pourrais pas trans Vita. Faudrait que je trans dommage mêlé, donc je serais plus Roxy mais moins tanky. D'un autre côté, je suis assez pressé de jouer les mods et je pourrais me contenter de ça temporairement en mettant une rune trans dommage mêlé et en changeant plus tard en retryhardant un PA dessus. Et il y a un facteur important qui me fait tendre vers cette option. C'est que cette ceinture elle est archi recherchée dans la méta actuelle, c'est vraiment un god tier. Et les HDV c'est des poubelles ambulantes, genre c'est que des jets dégueulasses. Et si je fais ça avec une trans, je pense que je fais une plus-value en le revendant et je pourrais retryhard derrière sur une autre en fait. Donc en vrai, je pense que je vais en rester là pour l'instant jusqu'à ce qu'au moins j'ai des modes jouables en PvP sur Sacritaire et compagnie. Et après on refera des sessions de tryhard si vraiment il faut aller chercher l'opti total. Donc là, temporairement, je vais me contenter de ça pour jouer. Je pense que ce serait correct. Voilà. Bah écoutez, fin de la vidéo, du coup, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.